Que cache secrètement Mojang? Y a-t-il vraiment des entités secrètes terrifiantes dans Minecraft? Oui. Et aujourd'hui justement, je vais vous présenter les meilleures enquêtes de la chaîne qu'on ait pu faire sur les mythes les plus terrifiants de Minecraft, en commençant par le mythe numéro 1, le secret des fonds marins. Je vais commencer par un truc super bateau, où vous allez vous dire, mais elle joue à quoi la Poké et j'apprends rien du tout là. Et pourtant, vous allez voir. Ok bon, le truc bateau commence comme ça. Vous le savez, il y a du son dans Minecraft. Je vous avais prévenu. Mais c'est déjà là que ça commence à être moins bateau. Les sons de Minecraft sont ultra précis. Déjà, rien que par la force de notre localisation. En fonction de là où on se trouve, on peut avoir plein de sons différents. Ok, je vais vous donner un exemple. Rien que si je me trouve dans une grotte, on a ce genre de son qui est joué. Si je me trouve dans une forêt de Crimson, c'est ce type de son qui est joué. Et d'ailleurs, vous voyez vraiment à quel point les sons sont précis. Parce que rien que pour une forêt de Crimson, on a au moins 3 sons différents. On a donc lui, celui-ci, le mood, assez particulier quand même, hein. Et on finit avec un son du genre, dans un biome de basalte dans le Nether. Ok bref, vous avez capté l'idée, mais est-ce que vous avez capté que depuis le début, je ne vous ai parlé que de sons aux sonorisations lugubres? Et pourtant, même lorsqu'on joue seul, c'est pas forcément ces bruits qui nous mettent mal. Pas ceux lorsqu'on est dans un espace relativement confiné, mais bien ceux où tout le monde pourrait nous voir. Ceux dans lesquels on est à la merci de n'importe quoi, de n'importe quel monstre, légende ou mythe. Et pour ça, il n'y a d'ailleurs pas 20 000 endroits, que ce soit sur Terre ou sur Minecraft. C'était juste sous vos yeux depuis le début de cette vidéo, l'océan. Et c'est si je vais sous l'eau qu'on va pouvoir entendre de nombreux sons. On commence avec un classique, le ambiante. Lui voilà, ça va, c'est juste des petits bruits de fond, pas grand chose. C'est quoi? Je vais tous vous les jouer et puis je vais vous laisser vous faire votre propre avis. Je sens que je vous ai déçu, mais vous avez rien remarqué? Eh ben, on va réécouter un des sons, à vrai dire le tout dernier, le ultra rare. Cette fois, vous avez remarqué quelque chose? Des bruits d'ambiance, des bulles, rien d'autre. Le son ultra rare, c'est pas un son d'eau, de bulles ou d'une ambiance marine habituelle. On dirait plutôt le bruit d'un immense monstre, le genre de monstre quand tu vas dans les tréfonds de Subnautica ou celui dont t'as toujours eu peur quand tu te baignais dans des eaux au fond trouble dans l'océan. Bah, je crois que c'est le sentiment exact et réussi que nous a donné Mojang. Ils ont réussi à nous simuler ce monstre marin abyssal. Mais si c'était pas qu'une simulation? Et si Mojang avait initialement prévu d'ajouter un monstre lors de la mise à jour touchant à l'eau et aux océans, la Aquatic Update de 2018. Mais alors, pourquoi est-ce qu'il est pas là ce monstre? Pourquoi avoir abandonné l'idée et juste d'avoir donné ce son? Et bah, je vais vous décevoir, mais je sais pas. Et pour une fois, j'ai vraiment pas plus de théories, j'ai juste les mêmes faits que vous. Et malheureusement, c'est tout. Mais croyez-moi, ça va pas être la même chose pour ce second mythe. Mythe numéro 2, l'origine des shulkers. Les shulkers, à l'origine, ils ont été ajoutés en 1.9. Et j'ai pas peur de le dire, c'est l'un des mobs avec la plus grande utilité, celle de littéralement créer des sacs à dos portatifs, les shulker box. Et s'il faut savoir un truc sur les studios de Mojang, c'est qu'ils ont toujours été logiques. Les pillagers, ennemis des villageois, attaquent les villages et emprisonnent certains villageois dans leur manoir. Le Warden, maître des cavernes, protège sa cité dès qu'il entend quelqu'un s'en approcher. Bref, comme je viens de le dire, tous ces ajouts sont logiques, ils ont une raison et ça participe à un équilibre dans le jeu et dans notre monde Minecraft. Et là, avec les shulkers, à quoi ils servent réellement? Genre, ok, là c'est cool, je tue un shulker, j'ai mon petit ispack. Mais genre, c'est leur seule utilité? Bah, peut-être pas. Pour ça, faut faire des recherches. L'endroit par lequel toujours commencer, c'est le wiki, et il nous donne déjà quelques infos. Par exemple, 1. Sa carapace est faite de purpur pour lui permettre de se camoufler. 2. Il ne bouge pas, sauf si le bloc sur lequel il était est cassé. 3. Il peut se téléporter dans un rayon maximal de 17 blocs. 4. Il lance des projectiles qui, s'ils atteignent une cible, donnent l'effet de lévitation. Bon, malgré tout ça, c'est relativement que des informations que je connaissais déjà. Ça m'a permis de réaliser quelque chose. En effet, certes, il existe des monstres qui volent dans le jeu, comme les chauves-souris, les blazes, les perroquets, mais aucun mob du jeu ne peut l'éviter. Personne! Hormis ce petit gars-là, du coup. Et d'ailleurs, si on revenait à sa dimension d'origine, dans l'End, ça n'a échappé à personne qu'en dessous des îles, bah, il y a du vide. Merci Poké pour cette pertinence. Donc, les îles volent littéralement dans l'End. Au début, je me disais que c'était la gravité qui permettait ça, mais en fait, je me suis rappelé que la gravité pour ce jeu, ça n'existe pas trop. Ou si jamais il y en a vraiment une, elle est de toute façon la même dans les 3 dimensions. Alors, peut-être les îles de l'End seraient en lévitation
Et bah, en fait, oui, c'est pas impossible. Mais du coup, ça veut dire que ceux qui contrôlent les NCT contrôlent l'Inde aussi? Ah, je sais pas, mais les bateaux visibles sur certaines NCT nous montrent qu'une population va et vient dans ces cités en soi. Certaines ont un bateau, d'autres non. Et mine de rien, on peut aussi remarquer la ressemblance entre les bateaux abandonnés dans l'Overworld et ceux de l'End. Et si c'était les mêmes bateaux, mais renforcés avec des matériaux de l'End et soumis à un effet de lévitation par les shulkers. Mais dans ce cas, à qui appartiennent ces bateaux ? Mythe numéro 3, le sniffer. Avant que Minecraft 1.21 se mette à arriver sur nos écrans, j'ai voulu réenquêter sur la 1.20 pour clôturer tous ces mystères et pouvoir ensuite passer à ceux de la 1.21. Mais donc avant, rappelons-nous des mystères terrifiants de la 1.20. Le sniffer, c'est le tout nouveau mob de Minecraft 1.20 et qui dit nouveau mob et nouveauté, dit de nouveaux easter eggs à découvrir et parfois certains qu'on préférerait ne jamais découvrir, comme le secret assez perturbant qui entoure le sniffer. Bon, pour tenter de le découvrir, il faut déjà analyser le mob en lui-même. Pour ce faire, on va se mettre en spectateur, comme ça, on va même pouvoir voir ses intérieurs. Bon, déjà, on peut voir qu'à la base des bases, il a un pelage rouge. Ensuite, par-dessus, il a un pelage vert. Et il a 6 pattes et un gros museau. Dans ma dernière vidéo mythe, on avait fait le rapprochement des couleurs par rapport à une dimension. Mais là, sincèrement, je pense que les couleurs n'appartiennent à aucune dimension, si ce n'est à la limite le rouge pour le nether. Mais bon, il n'y a pas suffisamment de preuves pour faire le lien, là. Mais si vous avez bien fait attention quand j'ai analysé, il y a un détail du corps que j'ai omis, c'est ses oreilles, parce qu'on dirait celles du piglin en plus longue. Mais bon, encore une fois, à part que ce soit légèrement relié au nether, je vois pas vraiment ce que l'analyse de son corps nous a donné. Je pense donc qu'il faut qu'on cherche autre part, quelque part où ni vous ni moi ne pouvons physiquement aller, mais notre pensée peut elle bel et bien le passer. On va remonter tout au début des premiers pas du sniffer, son trailer d'annoncement. Commençons donc. Au tout début de la vidéo, on voit Jeb sortir de l'eau avec un œuf géant en demandant à Agnès, donc cette dame-là, si elle a appris aux poules à pondre sous l'eau. Ce à quoi elle répond pas encore. Jeb renchérit et dit, il semble ancien. Ce à quoi Agnès répond, c'est un œuf de sniffer. Mais après, elle dit tout de suite quelque chose d'étrange. Je pensais qu'ils avaient disparu. Elle nous apprend ensuite quelques secondes plus tard que c'est un monstre ancien, mais genre vraiment vraiment ancien, comme les dinosaures en gros. Bon, si vous avez suivi un minimum à l'école ou écouté parler vos parents, vous savez que les dinosaures se sont éteints à cause d'une méga météorite. Mais le sniffer, lui, comment il s'est éteint? Qu'est-ce qui a causé sa perte? Ok, tentons de reprendre depuis les bases et réfléchissons. La seule façon de trouver un œuf de sniffer, c'est de fouiller des blocs de sable dans les ruines des océans chauds. Oh là là, ça me saoule! Genre là, c'est les seules bases qu'on peut reprendre. Parce qu'en vrai, qu'est-ce qu'il y a à dire de plus? Le wiki est minuscule, il est même pas encore terminé. Ok, bon, je pense juste qu'il faut que j'aille m'aérer, que je prenne un petit peu de temps pour réfléchir. Ok, ça va paraître fou, mais les gars, j'ai une théorie qui m'est venue en tête. Comme vous le savez, avec les ruines sous l'eau, les bateaux abandonnés et les coffres au trésor, on peut facilement deviner qu'il existait soit une civilisation sous-marine ou soit simplement de pêcheurs. Ma théorie est donc la suivante, et si les sniffers avaient été exterminés par d'anciens pêcheurs ? En soi, ça peut faire sens. Ils pouvaient utiliser le sniffer pour trouver des graines, quitte d'ailleurs à les surexploiter. Ils pouvaient les chasser pour leur peau, qui, épaisse, leur permettait de confectionner des vêtements pour rester au chaud malgré les immenses tempêtes qui survenaient en mer. Et d'ailleurs, auparavant, le niveau de la mer, il devait être bien plus bas. Donc, comme dans la vraie vie, avec des exemples de villes comme Atlantis, Palvopetri, Héraclion, ils ont dû faire leur village dans ce qui est aujourd'hui devant nous, un océan. Donc à l'époque, devant eux, c'était pas de l'eau, ni un océan, mais bien de la terre. Le niveau de l'eau a monté avec les siècles et les millénaires, et aujourd'hui, il ne reste que les formes et structures en pierre de leurs habitations. Et justement, dans Minecraft, il existe plusieurs types de villages abandonnés, les terrestres et les marins. Nous, c'est la deuxième catégorie qui nous intéresse, les marins, qui eux-mêmes sont divisés en deux sous-catégories, ceux des océans chauds et ceux des océans froids. Bon, juste devant moi, j'ai une ruine d'océan chaud. Bon, déjà, on peut voir que c'est fait en sandstone, dans des océans au sol de sable. Déjà, sans peu éliminer, on sait que le sniffer, il peut pas trouver de graines dans le sable. Donc, par élimination, il nous reste que les villages des océans froids, ceux qui ont été fabriqués en pierre. Alors là, vous allez peut-être me dire pause poké. Il y a un truc pas logique parce que le sol, il est fait de gravier et on sait que le sniffer, il peut trouver des graines que dans la terre. Mais en vrai, ça, j'ai réfléchi pour ma théorie et je me suis dit, bah ouais, en vrai, c'est vrai que ça fait pas sens. Sauf qu'en fait, j'ai réfléchi 2 minutes de plus et j'ai juste compris que c'était logique. La terre, elle s'est diluée avec l'eau au travers des siècles et des millénaires. Contrairement d'ailleurs au sable qui, lui, s'affine au contact de l'eau. Bon, c'est bien, je vous expliquais ma théorie, mais maintenant, j'aimerais bien qu'on passe à un truc un peu plus concret, la pratique. Et bah ouais, du coup,
qu'est-ce qui se passerait si on ramenait un sniffer à ses racines? Bon, écoutez, on va tester. Je vais le poser là, en plein milieu des ruines. Vas-y, mon pépère. Ok, ok. Ah, bon. Je crois ouais, qu'il remonte un peu. Après, c'est peut-être parce que je l'ai mis sur des bulles. On va le mettre, genre, ici, où il n'y a pas de bulles. Et non, ok, j'ai quand même l'impression qu'il remonte à la surface et qu'il flotte. Ok, bon, désolé, les gars. Je vais faire une pêcheur V2. Je vais vous tuer. Mais là, il va falloir qu'on quadrille la zone et qu'on enlève toute l'eau qui est présente juste ici. Et voilà. Là, on est bon. Il n'y a absolument plus rien. Ce qui nous permet, du coup, d'explorer un petit peu plus facilement. Bon, déjà, j'aime pas trop, trop toucher au site archéologique. Au cas où je fais une bêtise, on va juste faire une backup du monde. Et voilà, maintenant je suis tranquille. Donc déjà on peut ouvrir le coffre. Non, on peut pas. Ok, si si, ça a marché. Ok, bon, on a une carte au trésor. Bon, en vrai je sais pas si elle va nous servir, donc juste je la garde dans mon inventaire. Et si jamais on trouve pas de solution par ici, on ira voir cette petite carte après. Ah, attendez, là il y a un deuxième coffre. Ok, là il y a de l'obsidienne aussi. Bon, encore un truc par rapport au nether hein. Ça fait quand même pas mal d'évidence. Oh ok, on a encore une deuxième carte. Est-ce que c'est la même? Ok, ouais, c'est exactement la même. Bon, ça commence à faire pas mal de preuves vers cette carte. Je la garde encore une fois, mais je sens qu'on devra s'en servir. Hein. Bon, je vérifie juste dans la zone s'il reste pas des petits coffres. Oh, qui pourraient nous donner des indices. Encore une carte. Encore la même. Ok, ok. Est-ce que par là, on a un coffre? Ouais, encore une carte. Ouais, ok. Bon, ça commence à faire franchement beaucoup. Hein. 4 fois la même. J'ai presque l'impression qu'on essaie de me faire passer un message là. Bon, est-ce qu'il reste des petits coffres? Ok, il y en a un là. Oh! Non, mais alors là, c'est une preuve. Bah alors là, les gars, c'est irréfutable. On a une canne à pêche. Comme. Bah ouais, des pêcheurs, je suis désolée, mais là, c'est pas moi qui l'invente, hein. Bon, ok, du coup, on a réussi à récolter ces 5 preuves dans le village abandonné des froids sous-marins. Mais maintenant, du coup, on va tenter de remettre le sniffer là où il était potentiellement avant. Donc voilà, je vais poser un petit sniffer et on va voir s'il pourrait pas nous trouver des petits trucs. Enfin, je sais pas. Écoutez, je vais le laisser un petit peu faire sa vie. Ok, pour l'instant, il renifle. Ouais, tu trouves quelque chose? Ok, il renifle vraiment, hein. Là, il est... Il est dans son élément en même temps. Bon, déjà, je vois qu'il veut pas sortir du périmètre. Je sais pas trop, trop pourquoi. Ok, il se dirige vers visiblement ce qui semble être une autre pièce du village. Oh, il avance vraiment à pas tout doux. Hein. Il est pas très pressé par le temps. En même temps, tu me diras, il a... Oh, what? What the fuck? Mais qu'est-ce que tu viens de faire apparaître, toi? On dirait une genre de méga vieille structure. Il y a des os de blocs et tout. Et attendez, j'ai l'impression qu'il y a des trucs... What the fuck? What? Déjà, c'est quoi ces particules? C'est protégé? Qu'est-ce qui se passe? Il y a littéralement des squelettes pendus à des chaînes. Et on dirait qu'il y a un genre de tombeau avec une peau de sniffer posée dessus. Mais attendez, les squelettes doivent être des anciens pêcheurs, ceux-là même qui ont chassé et exterminé les sniffers. Et le tombeau, ça doit être celui du dernier des sniffers ayant existé dans l'ancien temps, avant de justement refaire surface dans l'overworld. Mais du coup, est-ce que maintenant qu'ils sont revenus, ce serait devenu une menace pour l'espèce humaine? Mythe numéro 4, les zombifiés. Bon, on va attaquer le quatrième mythe. Et pour l'attaquer, on va pas rester dans l'overworld, qui peut certes être une dimension terrifiante, mais moi j'en connais une bien plus terrifiante. En tout cas, une qui me faisait bien plus peur pendant mon enfance, le Nether. Le Nether, c'est rempli de monstres différents en tout genre. Des Ghasts, des Striders, des Blaze, des Wizards, des Hooglins et des Piglins zombifiés. J'ai bien insisté sur le dernier mob parce que c'est l'une des grandes questions qui entoure ce mob. Comment les Piglins ont pu se zombifier sachant qu'il n'y a aucun zombie dans le Nether? Pour vous donner un exemple, un villageois peut devenir zombifié si et seulement si un zombie vient à le tuer. Ah, et oui, d'ailleurs, dans ma liste, j'ai fait quelque chose de pas très bien. Il y a certains mobs du Nether que j'ai omis. Puisque dans le Nether, justement, on peut aussi trouver des mobs d'autres dimensions comme des Enderman ou encore des squelettes, et c'est vrai qu'on n'y pense pas souvent à eux. Et ces deux mobs, ils ont un point en commun, ils viennent tous deux de l'Overworld. Et donc, un petit peu à l'image de ce qu'on a eu dans le monde réel, l'idée, ce serait qu'il y ait eu comme une maladie, si on peut appeler ça comme ça, qui se serait propagée d'une dimension à une autre. Après, si on réfléchit plus loin, les squelettes, ils apparaissent directement dans le Nether et techniquement, ils sont déjà morts. Donc, la seule raison plausible de comment est-ce que cette maladie aurait été ramenée dans le Nether, ça serait les Enderman. Et argument en plus contre eux, désolé les petits gars, c'est le seul mob présent dans toutes les dimensions de Minecraft. Dans l'End, dans l'Overworld et dans le Nether. Alors, on en a déjà parlé par le passé, mais les zombies ont le skin de Steve, donc ils étaient potentiellement humains avant. Et c'est sûrement le même dada pour les Enderman. C'était des humains qui ont évolué dans l'End et sont devenus des Enderman au fil des décennies.
Je vais peut-être partir un peu loin, mais imaginez, en soi, si les Enderman peuvent porter un gène du zombie et zombifier d'autres monstres, alors peut-être l'Enderman pourrait ou pouvait transformer un Ender Dragon en dragon zombifié. Bon, je vous l'ai dit, je suis peut-être parti un peu loin, mais en sachant qu'on peut faire respawn l'Ender Dragon en survie, je me dis que c'est peut-être une porte qu'on laissait ouverte, Mojang. Mythe numéro 5, les cités enfouies. On en a parlé dans le mythe numéro 3. Avec l'1.20, ils ont rajouté plein de nouveautés. Et parmi celles-ci, l'archéologie qui elle-même a rajouté plein de nouveaux trucs. Les pots décorés, les pinceaux, le sable et le gravier suspects. Et ce qui nous intéresse pour cette histoire, les cités enfouies. Bon, déjà, c'est quoi les cités enfouies? C'est relativement simple, c'est des ruines très très anciennes d'une civilisation d'un ancien temps. Bah ouais, logique que ça vienne d'une civilisation, elles se sont pas construites toutes seules. Et du coup, qui les a construites? Actuellement, les seuls humains dans Minecraft, c'est les villageois. Mais puisqu'ils sont humains, bah ça veut dire qu'ils ont pas pu vivre des siècles et des millénaires avant. En gros, ils auraient pas vécu assez longtemps pour avoir construit ces cités. Mais alors, est-ce que ce serait peut-être les ancêtres des villageois? Et pourquoi dans ce cas-là, construire des cités souterraines? Est-ce qu'ils avaient quelque chose à fuir? Est-ce qu'ils voulaient se cacher? Qu'est-ce qui rendait leur vie à la surface impossible? Finalement, peut-être que la guerre villageois-pillager a commencé bien avant ce qu'on pense et qu'ils essaient en fait se cacher de ses meurtriers. Bon, pour tenter d'avoir des réponses et d'arrêter de juste dire des théories, on va faire comme ce qu'un archéologue ferait, on va fouiller le terrain. Sauf que ce terrain, pour l'avoir fouillé, il faut déjà l'étudier. Et pour ça, j'ai trouvé un mec sur internet qui montre toutes les variantes existantes des cités enfouies. Donc je l'ai téléchargé et on va se rendre dessus. Oh, what? Mais attendez, mais je pensais pas qu'il y avait autant de variantes existantes. Bon, je vais regarder un petit peu. Ok, là on a des blocs de glace terracotta. J'ai l'impression que ça c'est un petit peu un pattern, il y a de la terracotta dans chacun des trucs. Ok, ici on a un petit peu plus sous forme de dôme. Là, on a, ok, des fours, des torches. Est-ce qu'il y a des trucs intéressants? Des smithing tables? J'essaye de voir si on pourrait tirer des trucs intéressants. Bon, en vrai, déjà, il y a un pattern qui, limite, se répète en permanence. C'est qu'il y a quasiment à chaque fois de la terracotta. À part globalement, dans ces 7 variantes, il n'y en a pas un seul que j'ai trouvé où il n'y en avait pas. Alors, est-ce que du côté des ruines plus grandes, j'aurais d'autres trucs intéressants? Ouais, non, j'ai pas plus l'impression que ça. Il n'y a rien de suspect. Enfin, je sais pas, tout m'a l'air normal. J'ai pas forcément réussi à avoir plus d'indices que ça, hormis que c'est fait de boue, de pierre, de terracotta, de briques, et tout ça c'est des matériaux anciens, donc en soi ça peut coller à la théorie. J'ai trouvé ce forum qui parle de dev, de data science, de data mining, et j'ai trouvé quelqu'un qui avait justement fouillé le code de la dernière version de Minecraft, en gros un mec qui l'a data miné, et en gros il aurait trouvé une structure de ruine impossible à faire apparaître avec des structures blocs. Donc ces structures blocs, c'est les petits blocs que vous voyez là un petit peu partout, et je le sais depuis que j'ai été limite harcelée sur cette vidéo, que les structures blocs ça sert à manuellement générer des structures, les sauvegarder, etc. Donc cette structure de ruine qu'on ne peut pas faire apparaître avec nos structures blocs, c'est normalement impossible. C'est simple, hein, c'est un mot en 10 lettres qui veut tout dire. Impossible. Sauf que le truc, c'est qu'elle est bel et bien là, sous nos yeux. C'est littéralement écrit dans le code. Bon, par contre, le problème, c'est que c'est limite les seules infos qu'on a, donc j'aimerais bien apprendre un peu plus, mais le problème, c'est que je suis pas développeuse, donc le moyen le plus simple, contacter le mec du forum. Bon, ok, vous vous rappelez, il y a plusieurs jours, quand j'avais contacté le mec sur le forum, enfin, pour vous, c'était il y a une minute, sûrement. Du coup, j'ai posé plusieurs questions, et voilà les réponses que j'ai eues. 1. La structure est faite de glace terracotta. Il y a des bougies avec des têtes au sol à côté. Bon, déjà, un premier bon point qui confirme un petit peu ce qu'on avait vu sur les structures quand on les avait étudiées, c'est qu'il y a de la glace terracotta qui est présente. 2. Elle est trouvable en jeu, mais très rare et uniquement sur une combinaison de seeds. Il faut que le total de tous les chiffres additionnés de la seed fasse 84. Troisième et dernier point. La structure apparaît uniquement si la langue du jeu est upside down au moment de la création du monde. Bon, c'est très bien, sur les 3 points, il y en a 2 qui nous disent comment trouver la structure. Donc on va déjà faire le premier. Alors, il faut qu'on mette la langue upside down. Mais est-ce qu'elle existe même? Ah, ok, elle est là. Bon, si le monteur il retourne au montage, je pense que vous verrez un petit peu mieux. Et pour le deuxième point avec le chiffre 84, comme je suis un peu flemmarde, je vais demander à une IA. Génère-moi une liste de nombres. Bah attendez, il m'a carrément donné du code là. Ok, après un peu de discussion qu'il y a, voilà le chiffre que j'ai pris. Bon, j'en ai pris un au pif. Du coup, maintenant, on va créer le monde avec cette seed. Ok, on y est bel et bien. Bon, c'est encore en inversé. Mais maintenant, du coup, on va tenter de chercher un petit peu, voir si on trouverait pas cette fameuse structure. Alors, ok, juste ici, déjà, j'ai un premier site archéologique. Alors, on va se mettre en spectateur. Ah ouais, mais c'est super compliqué, en fait, d'y voir quelque chose de trouvé. Bon, là, je vois qu'il y a un grindstone. Bon, de toute façon, j'ai pas l'impression qu'il y a vraiment ce qu'on recherche par ici. Ok, deuxième structure en
en ruine. Alors, est-ce qu'il y a des bougies, des têtes? Oh, déjà, il y a des échelles, il y a de la glace terracotta. Ok, là, on coche un premier truc. Donnez-moi juste des têtes ou des bougies et on est bon. Bon, j'ai pas l'impression qu'il y ait ça par ici. Ouais, non. Bon, je vais en chercher une dernière. Et là, on a un chaudron. Ah ouais, mais celle-là, elle est... Oh, attendez. Ah merde, on a des barreaux. J'ai cru qu'il y avait, je sais pas, genre un truc bizarre, une prison. J'en sais rien. En tout cas, je me suis foiré et c'est pas ça. Mes parents, je suis en train de me demander. S'il a fallu mettre la langue upside down, est-ce qu'il faudrait pas aussi retourner l'acide? Alors non, pas comme ça, mais plutôt comme ça. Ok, bon, du coup, on va voir ce que ça donne. Même si, à première vue, ça paraît vraiment pas logique, ça peut souvent être comme ça, les easter eggs. Par exemple, qui aurait cru que sur Minecraft, appeler un vindicateur Johnny le rendra un meurtrier sans limite, quoi. Ça fait aucun sens aussi. Bref, retournons à nos moutons parce qu'on vient d'arriver dans le monde. Alors, est-ce qu'à première vue, il y a des trucs bizarres? Bon, on a un portail en rune qui flotte, mais autour du spawn, ouais, j'ai l'impression qu'il n'y a pas grand chose. Donc on va se mettre à nos recherches sur les ruines. Bon, déjà, je pense qu'il faut que j'ai une approche un petit peu différente. Ça veut dire qu'il va falloir que je déterre un petit peu, voilà, que je fouille un peu le site. Alors, juste m'autoriser à casser les blocs, genre de la terre et du gravier. Pour la première fouillée, j'ai pas l'impression qu'il y ait grand chose. Pour la deuxième, on a de la glace terracotta. Mais encore une fois, j'ai rien trouvé de plus. Pour la troisième, j'ai rien trouvé non plus. Quatrième, on a de la glace terracotta, des briques et de la terracotta. Mais toujours pas de bougie ni de tête. Alors, pour la cinquième, qu'est-ce qu'on a? Oh, merde, attention à pas casser le site archéologique. Oh, déjà, on a des terracotta de plein de couleurs. Attendez, attendez, parce que là, je vous jure, je le sens bien. Là, j'ai un feeling. Oh, on a du vert. Bon, je sais pas pourquoi je suis excitée par rapport à du vert, mais c'est juste qu'on en avait encore jamais eu avant. Ok, on a aussi de merde, de la glace terracotta, pardon. Oh, on en a même beaucoup. Attendez, 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 attendez. Que là, j'aimerais bien passer, mais il faut pas que je casse le site. Ok, bon, je vais juste casser un seul bloc. Ok, ok, on a aussi de la pierre. Attendez, attendez, parce que les gars, là, ça fait énormément d'éléments qu'on coche quand même, hein. C'est énorme. On l'a peut-être trouvé après tant de recherches. On a des briques aussi. Non, mais attendez, faut vraiment que je continue à la fouiller, celle-là, hein. Mais attendez, si on regarde, on dirait là, c'est genre le centre. Par là, on est arrivé. Là, on dirait une première pièce. Là, une deuxième. Là, une troisième. Là, j'ai l'impression que c'est un peu le centre. Donc, est-ce qu'il y aurait pas un truc par là? Allez, allez. Oh, ok, on est sur le bon chemin. Bon, bah, ça fait plus de 20 minutes que je recherche, là. Faut que je me rende à l'évidence. Je crois qu'il y a rien dans cette structure, hein. Allez, c'est reparti pour un tour. Sixième structure. Oh, bon, ok. Pour l'instant, ça commence bien. On a de la brique, on a de la glace terracotta. Oh, attendez, là, on a des cobwebs. Ça fait un truc très, très ancien. Ok, alors ça, c'est vraiment bon signe. Mais par contre, ça fait un petit peu, genre, sale caché. Je croyais pas trop ça dans les autres structures, hein. Y a pas des trucs en plus. En vrai, là, j'ai vraiment pas envie de me faire de faux espoirs, hein. Déjà, je m'en suis fait à la structure dernière. Oh, mais attendez, du coup, est-ce qu'il n'y a pas d'autres salles cachées? Non, okay, rien de ce côté. Par ici... Oh! Qu'est-ce que c'est? Oh, on dirait genre une cuisine. Genre, à mon avis, par ici, il y avait des fours et des trucs comme ça. Par ici, il y a un coin que j'ai pas fait. Oh! Attendez, on dirait un genre de couloir. Oh! Non, non, il n'y a rien. Il n'y a pas grand-chose par ici. Par contre, c'est des salles déjà creusées. Ça, c'est un petit peu louche. Ok, là, on a la même salle. Non, attendez, est-ce que c'est vraiment la même salle? Attendez, attendez, il n'y a pas le mur? Ouais, là, on dirait qu'il y a un pont du mur complètement qui a été retiré. Alors que si vous regardez ici, il y a de la terracotta et de la boue. Attendez, attendez, est-ce que je suis sur un truc? Je crois... Attendez, attendez, on va creuser cette partie. Oh, oh mon dieu! Les gars, les gars, les gars! Oh, je vois des bougies, j'aperçois des bougies. Et je crois que ça, c'est une salle qu'on n'a pas encore vue. Oh, attendez, est-ce que c'est vraiment... Ouais, c'est vraiment une salle secrète! Il n'y a pas de moyen d'y atterrir. Il y a bien les têtes, on a la glace terracotta, on a les bougies. Mais attendez, on dirait genre une salle de rituel. Je trouve en vrai que ça confirme un peu ce qu'on avait pensé. Les ancêtres des villageois, ils avaient dû fuir quelque chose. Et du coup, je sais pas, ils ont peut-être eu recours à la magie ou au rituel pour tenter de se protéger et tenter de remonter à la surface en étant tranquille. Enfin, je sais pas. Pourquoi est-ce qu'ils auraient ça de toute façon? Donc, histoire que je passe un peu moins pour la folle du village, on va tenter de trouver des preuves. Et comme un site archéologique, la première chose à faire, c'est de nettoyer un peu tout ça. Donc voilà, on va enlever les toiles d'araignée. Toi déjà, tu passes pas. On va condamner l'accès histoire que personne d'autre ne puisse rentrer. On va enlever les taches de sang. Voilà. Ok, bon, là déjà, c'est un petit peu plus nettoyé. Donc peut-être qu'on va pouvoir commencer à trouver des choses. Alors déjà, je me dis rituel et il y a des bougies au sol. Donc peut-être que ça se passe avec ça. Donc on va tenter de les allumer. Hop, toutes. Ok, j'ai peur. J'ai peur. Il m'en reste plus que celle-là allumée.
maintenant. Rien... Ok, rien ne se passe. Est-ce que je les ai bel et bien... Ouais, je les ai bel et bien tout allumés pourtant. Ok, bah ça doit pas être ça. Bon, écoutez, on va encore un petit peu plus ranger la salle. On va enlever les crânes, pardon, mais ça me dégoûte un peu. On va... Vous savez quoi, on va rempoter les pots. Voilà, histoire qu'on soit vraiment dans un bon mood. On va prendre les nouvelles plantes du sniffer. On va prendre des petites tulipes. Voilà. On va prendre un petit azaella. Oh, what? J'ai entendu un son là, j'ai pas rêvé. Attendez. Il faut que je reteste. Ok, je me suis donné un pot, on va refaire. Non? Ok, ça refait pas. Et pourtant, j'ai pas rêvé. Hein. Il y avait bien un truc, j'avais vu les particules. D'ailleurs, un peu les mêmes qui étaient précédemment sur le tombeau du sniffer. Bon, attendez, faut que je réfléchisse un petit peu plus. Oh, attendez, je crois que je viens de capter un truc. Regardez. Trois bougies. Et là, deux bougies, une bougie. Alors certes, ça équivaut à trois, mais on dirait qu'elle a été déplacée ou un truc comme ça. Attendez, il faut que j'essaye. Je vais la remettre ici. Oh, qu'est-ce qui se passe? Oulala, je l'ai fait spawner. Non. Oh mon dieu. Non. Je suis plus créatif. Non. Je peux plus partir. Mais attendez, stop. Ça voudrait dire que le Warden, c'était un allié des ancêtres des villageois. Mais attendez, c'est pour ça que lui aussi était caché sous terre. Lui aussi, il a dû servir à aider et à battre une entité supposée inconnue. Peut-être c'est les pillagers, peut-être... On sait pas, au final, on n'a pas eu de réponse. Mais du coup, c'est ce qui aurait permis aux ancêtres des villageois de sortir des cités souterraines. Wouah! Mais attendez, par contre, pourquoi ça n'a pas été le cas des Warden? Pourquoi est-ce que eux, ils sont restés sous terre? Mythe numéro 6, Herobrine et Notch, un lien qui les unit. Alors, je sais qu'Herobrine, tout le monde sait globalement que c'est une légende inventée. Mais le truc, c'est qu'il fait quand même techniquement partie du jeu. Et vous allez comprendre pourquoi plus tard et pourquoi ce serait le frère décédé de Notch. On va recommencer 10 secondes par les bases, si vous le permettez. Cette image, vous l'avez déjà tous vue. Pour preuve, elle se trouve même sur le wiki de Minecraft. Et dessus, on peut apercevoir quelque chose avec un skin de Steve et des yeux blancs. C'est Herobrine. Mais alors, pourquoi j'ai dit que techniquement, il faisait partie du jeu, alors que j'ai aussi dit que c'était une légende inventée? Et bah parce que à l'époque où ce petit gars détenait encore Mojang, chaque patch notch, donc un patch notch, c'est pour dire ce qui a changé vis-à-vis de la version précédente, et bien donc chaque patch notch contenait une ligne avec inscrit Herobrine supprimé du jeu. Ou dans sa langue originelle, Herobrine removed. Et c'était pas une erreur ou même un cas isolé, mais bel et bien présent sur de nombreuses versions. Je vous expliquerai peut-être plus en détail un jour tout ce qu'on sait et ce qui concerne Herobrine. Mais pour l'instant, pourquoi j'ai dit que c'est le frère décédé de Notch selon certains? Et bah tout part justement du fait que plusieurs personnes se soient posées la question pourquoi Herobrine a été retiré à chacune des nouvelles versions. Ok, c'est là qu'on va essayer de commencer l'explication. Selon certains, ça serait donc le frère décédé de Notch qui se serait incrusté dans le jeu dans le but de le hanter. Hanter entre guillemets, parce que c'est qu'une théorie et à vrai dire ça tient pas à grand chose. La preuve, Notch a publiquement annoncé en 2011 sur Twitter qu'il n'avait pas de frère, enfin presque. Il a en réalité un demi-frère, mais qu'il n'a jamais pu rencontrer. Donc je crois qu'on peut le dire officiellement, mythe numéro 6, faux. Enfin, en tout cas concernant le lien de fraternité avec Notch, pas Herobrine. Mythe numéro 7, le bloc 451, un bloc mystérieux. Dans une vidéo précédente des mythes terrifiants, j'avais évoqué le bloc 451 et je vous avais dit que je vous en reparlerai dans une future vidéo et nous y voici enfin. Ok, je pense que c'est nécessaire de vous remettre un petit peu dans le contexte. Dans cette fameuse vidéo des mythes, je faisais des recherches sur des blocs et items retirés, supprimés ou cachés dans toutes les versions ayant existé de Minecraft. On avait enquêté sur certains qui avaient disparu, mais il y en avait un que je vous avais dit vous réserver pour plus tard. Tellement l'enquête allait être dense. Alors bienvenue dans l'enquête sur le bloc 451. Pour commencer déjà, est-ce que c'est vraiment un bloc? Qu'est-ce qui me fait dire que c'est pas un item? Bah cette réponse, je pense l'avoir eue grâce au documentaire des studios de Minecraft sur lequel je suis tombée. Donc dans ce mini-documentaire, on y voit Notch en train de développer un ajout du jeu. Bon, c'est un ajout qu'on n'a jamais au final. Il travaillait sur les flèches explosives. Même si bon, d'ailleurs, à ce jour, Mojang a toujours pour projet d'en faire un futur ajout potentiel, comme je l'ai déjà parlé dans cette vidéo-là. Bon, c'est cool honnêtement ce documentaire, mais il y a un problème, c'est qu'il date d'il y a 12 ans. Et le problème, quand une vidéo date d'aussi longtemps,
pour un jeu qui a commencé à peu près aux mêmes dates et que ça peut pas corréler. C'est impossible que ce soit ça. Mais j'ai une piste de recherche potentielle. Quand on regarde la liste, tous les ajouts autour des 450 sont des objets et blocs ajoutés après la 1.9. Donc ça veut dire qu'on réduit notre zone de recherche. Tout ce qui se passe avant la 1.9, zou, ça nous intéresse pas. Alors on cale nos recherches sur la date du 26 février 2016 à partir de la 1.9. Donc là, le travail qu'on va faire, c'est le suivant. On va lancer toutes les versions de Minecraft de la 1.9 à la 1.9. Enfin bon, je peux pas non plus toutes les lancer en même temps, je vous avoue que là, j'ai déjà 7 Minecraft ouverts. Mon PC a envie de me tuer. Mais du coup, ça va être vraiment un très long travail, puisque comme dit, pour chacune des versions de Minecraft, il faut que je fasse slash give PokéDraco 451. Là, on est fixé pour Minecraft 1.9. Il ne trouve rien par rapport à l'idée 451. Slash give PokéDraco 451. Rien non plus pour Minecraft 1.10. Rien pour la 1.11. 1.12 non plus. C'est pas pour la 1.13 non plus. Par contre, un truc super intéressant que nous dit la 1.13. Unknown item. Item inconnu. Alors, le bloc 451 se transformerait peut-être en item 451. En plus, ça ferait déjà un petit peu plus lien avec la flèche explosive qui est du coup un item. Même si, bon, on sait que c'est pas la flèche explosive puisque Mojang veut toujours l'ajouter. Mais déjà, du coup, moi, je pencherais un petit peu plus vers l'item. Attention, la 1.14 avec une sensibilité de fou balade, je sais pas pourquoi. Et non plus. Par contre, il dit toujours l'item. Donc avec notre item, je pense vraiment qu'on est en bonne voie. Alors, ma belle petite 1.16, give PokéDraco 451, non. Mais par contre, il dit toujours item. Continue, 1.17, non. 1.18, non plus. 1.19, non plus. Attendez, par contre, là, ça veut dire qu'il ne nous reste plus qu'une version où c'est censé marcher. C'est la 1.20. Mais ça me semble un petit peu bizarre que ça marcherait dans cette version. Parce que si je regarde cette fameuse liste, que je marque par exemple Cherry, donc cerisier qui est l'un des nouveaux blocs de Minecraft à 1.20, et le bloc n'apparaît pas. Donc ça me paraît très bizarre que sur cette même liste où il manque l'idée 451, qui est donc à partir de la 1.9, on l'a vu, il n'y ait même pas les trucs super. Enfin, je sais pas. J'aimerais franchement bien y croire, hein, mais j'avoue que j'ai assez peu d'espoir. Give PokéDraco 451 et... Aïe, 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 item inconnu, les gars. Purée. Bon, les gars, je suis retour à peu près à une heure après. Les recherches, du coup, de toute façon, vous l'avez vu, elles ont rien donné. Mais du coup, je me suis un petit peu posée pour réfléchir et tout. Et je me suis dit, c'est quoi le truc qu'on te dit quand t'as pas une réponse? Le premier truc que moi, mes parents, ils me disent que... Même des fois, mes profs, ils me disaient, demande à Google. Donc, écoutez, c'est ce qu'on va faire. Je vais lui demander dans toutes les langues que je connais si lui, il connaît pas le bloc 451. On devrait gérer maintenant l'item 451. Même si, bon, je vais lui demander le bloc 451. Parce que nous, même au début, on croyait que c'était un bloc, donc je pense qu'on risque d'avoir plus de résultats comme ça. Ok Google, qu'est-ce que tu sais du bloc 451 de Minecraft? Ok, il trouve strictement rien. Ok Google, what do you know about the block 451 from Minecraft? Oh! Alors, déjà, on tombe sur un post Reddit qui dit que lui aussi trouve ça bizarre qu'il n'y ait pas de bloc 451 qui soit visible aux yeux de tous sur Minecraft. Attendez, c'est trop bizarre. Est-ce que vous voyez... Non, vous voyez pas. Attendez, attendez. C'est quelqu'un qui dit qu'il a été censuré. Il dit, vous êtes peut-être trop jeune, Google Fahrenheit 451. Attendez, là, je comprends vraiment plus du tout est-ce que ça va. Fahrenheit 451. Et c'est juste une musique. Ok, bon, je pense que le mec a fait une vanne. Écoutez, je vais continuer à demander à Google dans les langues que je connais. J'ai fait allemand LV1. Au moins, ça va me servir pour une fois dans ma vie. Ok, Google. Was weißt du über den Block 451 von Minecraft? Non! Il a compris que je n'ai marre de Minecraft! Bon, c'est la limite de mes connaissances en langue. Donc, on va servir de l'outil le plus connu au monde, Google Traduction. Ok, bon, les gars, j'ai fait pas mal de recherches. J'ai traduit mes phrases en tellement de langues, en arabe, en italien, en russe. Ça donnait quelque chose, c'est la traduction russe, puisque je suis tombée sur ce forum. Quoi? Attendez, la vie de ma mère? Je crois que j'ai pris un screen. Non, mais attends. Oh, purée, j'ai pas pris de screen. Attendez, attendez. Oh, ok, alors je comprends pas pourquoi, mais depuis mon téléphone, ça marche sans trop de problèmes. Bon, par contre, étant donné que ni vous ni moi ne comprenons le russe, je vais vous faire un petit peu la traduction dont j'ai pris note. Bon, déjà, le type, il parlait d'une corruption massive, mais je cite pas que de Minecraft 1.19. Mon ordinateur a aussi été corrompu après avoir utilisé l'objet. Bon, en vrai, là, on a assez peu, mais c'est déjà énorme. On sait déjà qu'au début, on s'est trompé, et du coup, c'est bel et bien pas un bloc, mais l'idée 451 est bel et bien un item, et surtout que l'objet en lui-même est inoffensif, mais tant qu'on ne l'utilise pas. En revanche, si on l'utilise, le monde sur lequel on se trouve est corrompu, mais aussi notre ordinateur. Bon, bah écoutez, je suis prête à prendre ce risque pour vous,
Par contre, il a dit Minecraft 1.19, mais moi, comme vous l'avez vu, j'ai testé toutes les versions de Minecraft 1.9 à Minecraft 1.20. Donc, à mon avis, c'est pas tout pile Minecraft 1.19. C'est genre là 1.19.1, 1.19.2, enfin bref, ça doit être dans ces versions-là. Donc, écoutez, je vais les tester. Les gars, j'ai cherché 1.19.1, 1.19.2, 1.3, 1.4. Il n'y a rien. Donc là, le seul truc que je vois, c'est les versions entre les releases, c'est les snapshots. Et ça, je les ai pas encore faites parce qu'il y en a quand même pas mal. Mais du coup, je vais maintenant devoir m'y attaquer. Ok les gars, je crois que j'ai quelque chose. Dans la version 1.19.3-RC2, donc super précise, je vais faire beaucoup de snapshots. J'ai, je pense, trouvé quelque chose, puisque quand j'ai fait slash give PokéDraco 451, voilà ce que j'ai obtenu. Oblitération blacklisted block. Des blocs blacklistés. Ce qui explique pourquoi des gens ne le trouvaient pas sur la liste. Mais par contre, je sais pas si vous parlez un petit peu anglais, c'est un truc pas très cool. Mais voilà, destruction totale. Ensuite, la tête de l'item, par contre, je comprends pas, j'arrive pas à savoir. Je comprends pas ce que c'est. Donc le mieux à faire, c'est d'essayer d'interagir avec. Et ça, je vous promets que j'ai pas essayé. Ok, ah déjà là, oui, je peux le voir un petit peu plus en grand. Ah, il y a un petit pixel violet que j'ai pas vu. Alors déjà, je vais essayer de le poser au sol. Ok, ça fait rien. On va essayer plein de trucs. Si je le mets dans un coffre, non, shift click. Peut-être si je casse le coffre. Non, ok. Peut-être si j'essaie de crafter quelque chose avec. Attendez. Ok, déjà je peux les dupliquer. Ok, ça se stack. Donc c'est très étrange. Tu sais, par exemple, c'est pas comme des épées qui se stackent pas. Là si, donc ok. Mais par contre, je peux rien crafter avec. Bloc d'oblitération, non. Si je le jette par terre. Oh, j'ai cru qu'il s'était passé un truc, mais non, ok. Mais attendez, si j'essaie de le cramer, j'en sais rien. Franchement, j'essaye tellement tout. Est-ce qu'il crame déjà? Ok, ouais, il a bien cramé. Eh, c'est bon, au niveau où j'en suis, je vais tellement le jeter dans le vide. Quoi? Attendez, attendez, il s'est passé un truc trop bizarre. Oh, déjà. Vous avez vu ou pas la cam d'un coup elle s'est... Attendez. Alors attendez, parce que je suis obligée d'équiper ma cam d'un micro. Ok, là normalement c'est bon. Est-ce que vous le voyez ou pas? La lumière s'est éteinte. Alors par contre, je sais pas, non, ok, je... Je crois pas que ce soit les plombs qui ont sauté. Si, ok, je peux rallumer. Ok, bon, c'est très bizarre. Et les gars, les lumières étaient vraiment allumées. Et vraiment, je peux vous le prouver parce que, en plus, tout à l'heure, comme il fallait beaucoup de langues, je me suis dit, bah tiens, je vais poster une petite story marrante sur Instagram où je vous demande de me donner des langues. Et on va afficher la story maintenant. Ok, bon, les gars, posez pas de questions, mais actuellement, je suis en train de tourner une vidéo. Voilà, juste j'ai besoin que vous me donniez des langues parce que j'ai pas trop d'inspi. Allez-y, donnez-moi. Vous le voyez, en fait, j'ai voulu faire une transition comme ça avec mon téléphone et on a bien vu que la lumière, elle était allumée. Et bon, par contre, ok. En vrai, je pense que j'ai cherché un petit peu trop loin. Je pense que c'est juste un hasard parce que, en vrai, ça m'arrivait plein de fois des hasards comme ça dans les vidéos mythes flippants ou même en dehors des mythes flippants. Mais écoutez, on va penser à autre chose. Je vais retourner dans l'Overworld et on va tester autre chose. J'y pense, mais peut-être. Que en le mettant, alors il y a deux item frames dans Minecraft. Alors si j'essaie de le mettre dans une item frame, non, ok. Oh, mais attendez, on n'a pas essayé en tournant l'item dans l'item frame. C'est un peu flippant là, c'est... Enfin, attends, wow. Ok, là-bas c'est une grotte, je vois les zombies. Est-ce qu'ils bougent encore les zombies? Attends. Les mobs, il y a des mobs qui disparaissent. Mais attends, mais c'est quoi là? Qu'est-ce qui se passe? Ça c'est quoi? Je peux même pas les casser, je comprends rien. Attendez, parce que par contre là, c'est vraiment, vraiment flippant. Attendez, je vais essayer d'aller voir des grottes. Je vais essayer d'aller voir... Attends, après ça, on va essayer d'aller voir des structures parce que là, il n'y a pas de grotte. Ok, on va se mettre en spectateur. J'espère que ça va rien faire de bizarre. Ok, dans les grottes, il y a juste tout qui a disparu du jeu. Il reste quelques textures à peine, genre. Ok, on va aller voir les structures. Déjà, la première des structures que je vais aller voir, c'est le Stronghold. Oh, non, un village. Attendez, on va aller voir clairement un village. Moi, les gars, je vous prends avec cette caméra-là pour vous montrer, mais mon Minecraft s'est éteint. Attendez, quoi? La lumière? Attends. La lumière aussi, elle s'est éteinte. Attendez. Parce que là, ça me plaît vraiment, vraiment pas. Ok, j'ai un truc qui fait de la lumière. Par contre, là, j'ai vraiment, vraiment l'impression que c'est une coupure de courant complète. Alors, dans mon bureau, il reste juste les lumières parce qu'elles sont sur batterie. Et normalement, il reste aussi mon PC parce que j'ai ça, c'est un onduleur. Parce que bref, avant, il y a beaucoup d'orage chez moi. Du coup, j'ai ça qui empêche que tout mon PC crache d'un coup. Attendez, parce qu'en plus, normalement, il y a ma mère qui est de l'autre côté. Maman, il y a une coupure de courant. Bah oui, on dirait. Je comprends pas ce qui se passe. Attends.
Attends, mais c'est quoi ce bordel? Tous les leviers, ils sont baissés. Ok, bah je suis en train de rallumer mon PC. Je suis allée vérifier, mais c'est pas une coupure de courant dans tout l'immeuble, c'est juste dans mon appartement. Et surtout que mon PC, en fait, il s'était bel et bien éteint. Et ce truc-là, il est fait en cas de surcharge, donc pour les orages et tout, mais pas en cas de coupure de courant. Ce qui explique... Non, mais du coup, c'est une coupure de courant, c'est pas une surcharge. Enfin, je sais pas, c'est encore plus bizarre, en fait. Juste fait, s'il vous plaît, j'ai toujours mes règles. Oh, yes! Mais bordel, qu'est-ce que je fais bien d'enregistrer dans un format spécial qui fait en sorte que même si ton PC crash, t'as pas de problème. Je ne relance clairement plus jamais cette version. Regardez des moments, la caméra, c'est le rush brut, les gars. C'est vraiment le rush brut, rien n'est touché. Regardez ce que ça fait quand je me lève juste pour aller voir mon chaton qui grattait la porte. Et là, ça s'arrête genre ultra brusquement parce que du coup, ça a pu avoir du jus encore pendant quelques secondes, mais pas plus. Bon, clairement, je ne relancerai vraiment plus cette version maudite de sitôt. Je l'avais jamais lancée auparavant, et bah c'était la première et dernière fois. Et franchement, je regrette très prise d'avoir fait une enquête aussi approfondie, parce que franchement là je suis vraiment terrifiée. Donc là franchement, bombardez-moi dans les commentaires, bombardez-moi de likes si vraiment vous voulez que je refasse une vidéo comme ça où j'enquête aussi profondément, parce que là moi franchement ça m'a vraiment terrorisée. Et puis vous pouvez penser à vous abonner, et vous inquiétez pas, c'est moi qui dépose ce panneau contrairement au reste. Mythe numéro 8, le creeper. Vous l'avez entendu dans le titre du mythe et vous le voyez dans ma main, mais pour ce cinquième mythe, on va parler du creeper et notamment d'un truc assez particulier à propos de lui, c'est qu'il n'était pas censé être dans le jeu. En août 2009, Notch, le créateur donc du jeu, vous le savez, voulait ajouter un nouvel animal à Minecraft. Et après avoir pas mal réfléchi, il s'est dit que à côté des vaches et des moutons, ce serait sympa d'avoir un cochon. Mais bon, ça c'est ce qu'il avait envie. Et pourquoi je dis envie? Parce que pendant plusieurs jours, il a tant bien que mal essayé de créer les cochons qu'on connaît aujourd'hui, mais il y arrivait pas. À chaque fois qu'il essayait de coder le cochon, c'était une créature bizarre qui était là à la place du cochon. Alors, le 20 août 2009, il décide tout de même de sortir une mise à jour dans laquelle plusieurs joueurs ont été surpris de voir non pas un cochon ou un mob classique apparaître, mais bien une créature grise faisant d'ailleurs presque la même taille qu'un joueur et surtout marchant sur quatre pattes. Et il marchait pas à quatre pattes, il marchait sur quatre pattes. Alors oui, aujourd'hui ça nous étonne même plus parce qu'on connaît bien le creeper et ses quatre pattes sur lesquelles il marche. Les joueurs étaient pour le coup vraiment confus, je pense que c'est le moins qu'on puisse dire. Ça ressemblait à aucune créature connue dans le monde, contrairement à tout ce qu'il avait pu ajouter ou presque par le passé. Alors que là, le creeper, c'était un truc qui venait d'être ajouté au jeu et donc qui était encore à l'intérieur du jeu et que personne n'avait encore jamais vu en vrai. Et puis surtout, à l'époque, c'était encore les couleurs grises qui faisaient vachement contraste avec le monde coloré du jeu. Et du coup, après que beaucoup de joueurs se soient intrigués de la situation, Notch a expliqué « It looks creepier when animated. Haha, I'll keep it for creepy creature. » Smiley égale des majuscules. Alors ouais, j'ai tenu à vous lire en anglais et pas à directement vous traduire cette phrase, parce que si je vous l'avais traduit, ça aurait donné ça. Il fait beaucoup plus peur quand il est animé. Haha, je pense que je vais le garder dans le jeu pour avoir une créature qui fait un peu flipper. Voilà ce que ça aurait donné. Et donc on n'avait pas vu les mots qui ressemblent aujourd'hui beaucoup au creeper, de creepier et creepy. Et du coup, de cette phrase, bah, est né le nom du creeper. Et après avoir du coup décidé de garder le creeper dans le jeu, il lui a créé une texture. C'est devenu le monstre destructeur qu'on connaît aujourd'hui. Même presque, je devrais dire, monstre destructeur ninja, où vide à chaque fois, comment est-ce qu'il arrive en mode ninja, il fait tout péter, tabasse ton build, etc. Enfin bon, en tout cas, c'est un huitième mythe vrai, du coup, puisque je vous l'ai raconté. Mythe numéro 9, les armor trim maudits. On va se pencher sur l'un des ajouts majeurs de l'1.20, les modèles de forge, ou en anglais, les armor trim. Déjà, vous le savez, quand on enquête sur des mythes, on revient toujours aux bases. C'est quoi leur fonction première à eux? Et bah, je vais prendre tout ce dont on a besoin pour vous le montrer. À la base, c'est pas compliqué, ils ont été ajoutés pour embellir les armures. Mais certaines rumeurs racontent que finalement, ils seraient peut-être pas que cosmétiques, pas que là pour embellir les armures. Et selon cette même rumeur, certains trims posséderaient une malédiction. En même temps, quand on voit le nombre de trims existants, on se doute que pour l'un d'entre eux, il peut peut-être y avoir anguille sous roche. Peut-être même que ce serait pas un trim qui posséderait l'anguille sous roche, mais une combinaison de trims. Ouais, parce que techniquement, plus il y a de trims, plus il y a de combinaisons possibles avec. Ok, on va donc enquêter sur ça. Préparez votre bloc-notes et préparez-vous vous, surtout. Les bases. Vous le savez, on peut trouver des armor trims dans toutes les dimensions. Dans l'Overworld, dans Nether et dans l'End. Et les trims se trouvent dans des structures, dans les temples du désert, dans les bastions, dans les Ancient City, etc. Il y a d'ailleurs une partie de la rumeur
que je vous ai pas encore dites, et c'est celle-ci. L'armure qui aurait la bonne ou la mauvaise, du coup, combinaison de trim, nous causerait une malédiction qui nous empêcherait de jouer. Ouais, ok, vraiment bizarre. Comment ça, empêcher de jouer? Genre, qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux m'empêcher de poser mes mains sur ma souris? M'empêcher d'avancer sur mon clavier? J'ai plus le droit d'y toucher? Qu'est-ce que ça veut dire? Ouais, vraiment bizarre, on va creuser encore un peu plus. Là maintenant, si je vous demande de me citer LA dimension de Minecraft qui vous semble la plus bizarre, vous répondez quoi? Moi perso, je réponds sans quasiment aucune hésitation, le Nether. T'as des cochons transformés parce que si tu les repasses dans l'Overworld, ils se retransforment. T'as des genres d'encore plus gros cochons qui font un peu la même chose quand tu les repasses dans l'Overworld. T'as des mecs enflammés avec des bâtons qui leur tournent autour. T'as des squelettes, du coup par définition des morts vivants qui marchent et qui en plus te donnent un effet de mort. T'as des gros bébés qui pleurent, qui te lancent des boules de feu. Ah écoutez, moi il m'en faut pas plus pour aller enquêter dans cette dimension hein. Ok, la première étape de notre enquête, ça va être de nous rendre dans les différentes structures. Et en spawnant, j'ai vu qu'il y avait un bastion juste ici. Alors, je vais chercher les coffres et on va aller choper les trims qui s'y trouvent. Ok, là, on a un premier coffre. Ok, on a un snoot armor trim. Alors, est-ce que par hasard, on aurait un peu plus de coffres avec d'autres trims? Ok, dans ce type de bastion-là, j'ai pas... Ah, j'allais dire, j'ai pas l'impression. Et pourtant, j'en vois un autre. Ok, pourtant, on n'a pas d'autres trims. Écoutez, j'ai l'impression qu'on n'aura pas plus pour ce bastion. Donc, j'allais m'attaquer à la deuxième structure du Nether, les forteresses. Alors, même opération à faire dans cette forteresse. Il faut, voilà, que je trouve des petits coffres. Ici, on n'a rien. Oula, dangereuse forteresse. Hop, voilà, j'ai peut-être repassé en créatif pour éviter de mourir dans une telle ambiance. Je dois vous admettre déjà que ça fait plusieurs fois que je joue en 1.20 et pourtant, je crois n'avoir encore jamais trouvé d'armor trim dans les coffres des forteresses. Alors, je suppose qu'ils sont assez rares. J'espère que ça devrait aller pour en trouver. Là, ça fait déjà 3 coffres que j'ouvre et pourtant, toujours aucun. Quatrième coffre, toujours rien. Allez, on a un cinquième coffre ici, toujours rien. Et j'ai l'impression que ça va être les seuls coffres qu'on aura pour cette forteresse. Ah non, il en reste un là, toujours rien. Et lui non plus, et c'est sûr là, c'était le dernier de la forteresse. Ok, bon bah, je sais ce que ça veut dire. Il va falloir que je me mette à la recherche d'une autre forteresse pour espérer en trouver son trim. Ok, nouvelle forteresse de trouver. Alors, est-ce que cette fois-ci, j'aurai un petit peu plus de chance avec les trims? Est-ce qu'on me livrera peut-être le secret un petit peu plus facilement? Je pense pas. Déjà, j'ai pas l'impression qu'il y ait de coffre. Je sais même pas si ça, c'est possible ou pas. Mais en tout cas, c'est l'impression que j'ai. Ouais, non, aucun coffre pour cette forteresse. Ok, allez, j'espère que cette fois-ci, ce sera la bonne. En tout cas, je le sens bien. Ok, on commence avec 2 coffres ici. Premier coffre, il n'y a rien. Second non plus. Ok, bon, c'est un petit peu bizarre. Là, il y a de la lave qui vient recouvrir comme ça. J'ai rarement vu ça. J'espère que ça cache rien. Ok, peut-être dans... Mais il n'y a aucun coffre avec le trim, mais c'est trop étrange. Je serais incapable de l'expliquer. Attendez, attendez. Eh, vous avez vu, le coffre, en plus, il apparaît, il disparaît. Et il est coincé dans un arbre. Alors, si là-dedans, il n'y a pas le trim... Eh ben non, il n'y est toujours pas, mais... Ici, peut-être. Mais quoi? Et après de nombreuses, mais genre vraiment très nombreuses recherches, à me demander presque si j'avais mal lu le wiki, j'ai enfin trouvé ce qu'on recherchait. Je le savais. Je sais pas pourquoi, les gars, je vous jure, j'allais le dire. Je sens que lui, c'est le bon. Oh, enfin! Et j'ai ouvert pratiquement 70 coffres dans au moins plus d'une dizaine de forteresses. Maintenant que je les ai enfin, on va tester différents patterns. Déjà, je vais prendre différentes armures. Je vais prendre un petit peu de fer. Je vais prendre du diamant, de l'or, de la maille, du cuir, de la netherite, de la tortue. Et je vais aussi prendre plusieurs matériaux différents. Ok, là, voilà. Là, je pense qu'on a un beau panel de trucs qu'on peut tester. Et d'ailleurs, si vous vous demandez pourquoi est-ce que j'ai absolument voulu aller les trouver dans les structures et que je les ai pas juste pris via le menu créatif, bah c'est parce que parfois les mythes ne marchent pas si on passe par la manière trop facile. Donc j'ai juste m'assurer que si le mythe ne marche pas, c'est pas juste parce que je passais par le chemin trop facile en gros. Ok, bon, je vais faire quelques trucs. Je vais peut-être un petit peu varier de matériaux. Bon, là de toute façon, je fais les trucs et après on les testera. Je vais mettre un petit peu d'améthyste, de l'émeraude. Maintenant, je vais faire la même chose sur l'autre trim. Ok, bon, là, j'ai vraiment tout plein de variantes d'armure dans mon inventaire. Et on va les tester, voir si à un moment, il y a un truc qui se passe. Alors, j'en ai fait, mais ça, c'est normal, c'est avec le casque de tortue. Ok, là, pour l'instant, rien qui s'est produit. Si j'essaye une autre combinaison, il n'y a pas de... Non, il n'y a rien de bizarre, à part cette méga coulée de lave en soi. Attends, je suis folle ou j'ai vu un... What? Attendez, quoi? Ah non, purée, c'était le bout d'or. Mais j'ai vu genre une genre de lueur, je me suis dit, c'est trop bizarre. Non, ok, c'est bon, je deviens peut-être à moitié folle. Je vais essayer d'autres combinaisons avec une combinaison, non plus. Comme ça, non plus. Et comme ça. Ouais, ok, bon. Toutes mes variantes n'ont pas marché. Et je vais pas pouvoir faire toutes les variantes existantes. Parce qu'à mon avis, il y en a plusieurs centaines, voire un millier, rien qu'avec ces deux armor trim et tous les matériaux et armures différentes présents. Vous savez quoi? On va reprendre notre bon vieil ami et on va retourner chercher un petit peu sur le wiki plus en détail.
Ok, bon, je cherche depuis tout à l'heure, mais je trouve toujours un. En même temps, il faut le dire, hein, il est vraiment pas très très grand le wiki en ce qui concerne les armor trim. Mais sauf que depuis tout à l'heure, je cherche aussi la section commentaires et j'arrive pas à la trouver. Parce que je me dis peut-être qu'on pourrait potentiellement trouver des trucs supplémentaires à l'intérieur. Des trucs non officiels, des easter eggs peut-être que les gens auraient trouvé et que du coup seraient pas renseignés sur le wiki. C'est là. Talk 32, ok. Alors, voyons voir ce qu'on va pouvoir y trouver. Écoutez, je vais un petit peu tout lire et on va voir après. Ok, là, apparemment, déjà, il y a des trucs qui manquent, enfin, missing, donc... Ok, non, apparemment, ça, c'est juste par rapport à un bug. Lequel est le plus fort? Il n'y en a aucun. Anormal trimming material. Pourquoi est-ce que je suis constamment téléporté quand j'équipe 4 armures avec 4 différents trims? Et il y a un mec qui lui répond, VMR 503, non, impossible. Les trims sont faits pour la décoration. Ok, attendez, il faut que je tente de contacter le mec. Je veux lui demander des informations en plus. Email confirme. Il n'y a pas un email. Il y a 4 mois, il a posté ses messages en mai 2023. Il n'y a rien qui est renseigné sur lui. Vraiment rien. Je peux rien trouver. Attendez, si je recherche son blaze sur Name MC, peut-être qu'il y a... Non, il a même pas de compte Minecraft à son nom. Ok, et si je recherche son nom sur Twitter, bah, il n'y a rien non plus. Ok, bon bah j'ai aucun moyen de le contacter, donc ça va être à moi d'essayer tout ça. Ok, on va se débarrasser de tout ce qu'on avait, je vais juste garder les trims que j'ai obtenus dans les structures. Et du coup, il a dit qu'il nous faut 4 trims différents, alors je vais peut-être prendre un de l'End et je vais prendre un de l'Overworld. Ok, je sais pas s'il a dit qu'il fallait plusieurs matériaux différents, mais dans le doute, je vais essayer de toute façon plusieurs trucs, j'ai pas trop le choix. Et il a aussi parlé de différentes armures, donc c'est pareil, je vais reprendre des combos différents et on va tester. En vrai, j'ai même me munir de plus de trims, hein. Vous savez quoi, faut que j'essaye tout en fait, je veux trouver ce qui se Enfin, s'il y a vraiment un truc qui se trame. Ok, là, j'ai une première armure avec tout qui est différent. Les matériaux, les trims, les types d'armures, tout. Alors, attention, je m'apprête à l'équiper. Va-t-il se produire quelque chose? Attention! Non, il n'y a rien qui se produit. Ok, il faut que j'essaie d'autres trucs. Ok, bon, j'ai essayé tout plein de combinaisons différentes, mais rien à faire. À chaque fois, j'ai aucun résultat. Et encore une fois, je pense que c'est parce qu'il y a trop de combinaisons possibles et qu'au lieu de faire l'aléatoire, je me contente de trouver quelque chose de plus logique pour éviter de perdre du temps à chercher là où il n'y a rien. Donc alors, on va procéder avec les éléments qu'on a, ou si ce n'est le seul élément qu'on a, le fait que la personne soit téléportée en équipant 4 armor trims différents. Et moi, la téléportation, ça me fait penser à un truc, c'est eux. Et eux, ils me font penser à une dimension, l'End. Le problème, en fait, c'est que je vois pas le rapport, je vois pas ce qu'on irait faire dans l'End. Je pense que c'est pas la bonne piste et que l'info doit sûrement être cachée, un petit peu comme un easter egg, donc donné par Mojang, mais de manière discrète. Alors, mon idée va loin, mais vous allez la comprendre, je le sais. En 1.19, Mojang ont rajouté 4 nouvelles peintures qui ne sont pas disponibles en survie. Pour les obtenir, il faut faire le procédé suivant, aller dans Options, dans les contrôles, et cliquer sur ce petit bouton Operator Items Tab. Et là, regardez, je débloque ça, Operator Utilities, et là, j'ai 4 nouvelles tableaux qui apparaissent. Celui de la terre, celui du vent, celui de l'eau et celui du feu. C'est pas moi qui invente les noms si jamais, c'est vraiment les noms donnés par Mojang. Donc imaginez 4 trims d'éléments différents. Et en se basant sur la logique et sur l'outil, par exemple, la terre, ça pourrait donner les anciennes cités, c'est sous terre, le Warden sort de la terre, machin, c'est le plus logique. L'air, ça pourrait être l'End City, parce que bah c'est dans les airs, littéralement. L'End, le vide, les îles, etc. Bref, tout fait sens. L'eau, les épaves de bateau, il n'y a pas 40 000 solutions pour cet élément. Et enfin, celle du feu, ce serait les bastions ou les forteresses du Nether. La forteresse me paraît plus logique parce que le bastion il est beaucoup plus lié à l'or avec les piglins qui s'y trouvent, alors que dans les forteresses, bah, y a les blazes. Ils lancent des boules de feu qui sont littéralement des boules de feu quoi. Donc en résumé, le terre c'est le ward ou le silent stream, l'air c'est le spire stream, l'eau c'est le cost stream et le feu c'est le rib stream. Bon, et bien écoutez, alors il y a plus qu'un seul moyen de tester tout ça. Je vais prendre tous les trims que je vous ai cités, je vais prendre 4 pièces d'armure différentes. Pour être bien sûr, je vais prendre aussi 4 matériaux différents. Et écoutez, on va passer au test. Et le dernier. Ok, je me mets en survie, on va tester ça. Première pièce d'armure, seconde, troisième et enfin quatrième. Attention, est-ce qu'il va se passer? Oh 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 oh, what? Attends, quoi? Je me suis vraiment genre téléporté en boucle en... What? Attends, je veux juste être sûr qu'il s'agisse pas d'un bug. Il faut que je retente. Je vais même prendre de l'armure différente. Là, je vais prendre du cuir. Là, je vais prendre de la maille. Là, je vais prendre des bottes en netherite. Et voilà. Comme ça, là, logiquement, j'ai tout différent. Je vais prendre aussi que des trucs différents, que des trucs que j'ai quasiment pas pris. Voilà, tout ça, je suis sûr de pas l'avoir pris. Et alors, je vais reprendre exactement les mêmes trims. Le casque, le plastron, les jambières et les bottes. Le casque, le plastron.
plastron, les jambières et les bottes. Ah, attention, est-ce que cette fois-ci, il va se passer... Oh, ouais, ça refait exactement la même chose. Terrifiant. Eh, vous savez quoi? J'enlève clairement ces armures Trimoji. Mais donc, il existe bel et bien une armure hantée qui, quand on l'équipe, bah, nous empêche de jouer en nous téléportant. Mais la question restante maintenant, c'est pourquoi avoir intégré ça au jeu? Un bug? Un ajout pour le futur? Ou autre chose? Malheureusement, on n'a plus le temps de s'attarder là-dessus. Parce que, un, ça me terrifie. Et deux, on a surtout un dernier mythe de Minecraft 1.20 à aller vérifier. Mythe numéro 10, les fossiles du sniffer. Est-ce que vous savez qu'il y a des fossiles dans Minecraft? Alors, je vous parle pas de ceux de la mise à jour de l'archéologie ou un truc comme ça. Je vous parle de ceux qui sont dans le jeu depuis 2016 en 1.10. Mais si ça se retrouve aujourd'hui dans une vidéo de ce type, c'est qu'il y a de nombreuses théories étranges sur ces fossiles. Et l'une d'entre elles, les fossiles seraient ceux des sniffers. Et pour ça, je m'appuie de ce post Reddit sur lequel on voit très clairement ce qu'il veut dire. Enfin, je vous laisse un petit peu regarder le schéma. Il a mis des couleurs, il a tout bien expliqué, etc. Même si, pour ma part, ça me convainc pas à 100%, on va quand même aller enquêter. Alors déjà, où est-ce qu'on peut les trouver, ces fossiles? Techniquement, on peut en trouver dans l'Overworld et dans le Nether. Après, faut savoir qu'ils sont vraiment rares dans l'Overworld, et donc, par définition, plus communs dans le Nether, notamment dans les biomes Soul Sand Valley. Bon, bah du coup, la première étape, c'est d'en chercher dans l'Overworld. Alors, la manière de laquelle j'ai procédé, c'est que grâce à World Edit, je vais sélectionner une zone complète. Voilà, un truc comme ça, là. Là, j'ai sélectionné un petit peu plus de 1 million de blocs. Et maintenant, je vais remplacer tout ce qui est de la terre, tous ces trucs-là, par de l'air. Et normalement, on devrait, voilà, avoir un beau carré dans lequel on pourrait peut-être tenter de distinguer des choses. Mais pour l'instant, là, j'aperçois aucun fossile. Ok, bah vous savez quoi? Je vais tenter de faire ça sur une zone encore plus grande. Voilà, là, il y a un petit peu plus de 4 millions de blocs. Et attention, j'ai toujours l'impression qu'il n'y a aucun fossile qu'on peut voir. Bon, par contre, ceci étant dit, il y a de très très belles explosions de fer. C'est très joli. Mais nous, il faut qu'on retourne sur la route des fossiles. Donc on va aller dans le Nether. Et je vais aussi aller chercher des fossiles. Du coup, pour ça, il va falloir que j'ai le biome Soul Sand Valley. Et voilà, là, je vois déjà mes premiers fossiles. On en a un là, on en a un ici. Bon, lui, il est assez spécial. Mais bref, on en voit un petit peu partout. Voilà, il y en a vraiment partout, partout. Mais le truc, c'est que ça nous avance pas à grand chose. Juste, ça nous confirme qu'il y en a bel et bien dans le Nether. Et que bah du coup, dans le world, ils sont beaucoup plus rares. Je pense que pour aller plus vite sur nos recherches, comme on ne pourra pas voir tous les types de fossiles juste en se baladant dans les biomes ou quoi, on va faire la commande suivante: place structure nether fossile. Voilà, du coup là il y a des fossiles qui se génèrent un petit peu partout autour de moi. J'aimerais bien voir en fait s'il y en a pas qui peuvent être utiles pour nous. J'ai l'impression qu'en fait c'est toujours les mêmes, c'est juste des parties de fossiles à moitié détruites. Non, ça nous aide pas à grand chose hein. Bon allez, on va retourner dans l'overworld et cette fois-ci on va tester ceux de l'overworld. Ok, donc par exemple le tout premier. Ok, c'est une genre de tête. Bon, là, on dirait presque un petit peu une tête d'araignée. What? Pourquoi il y a un lac de lave en forme de cœur? Ok, bizarre. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Spine 1. Oh, what? Ok, mais attendez. Ça, j'ai l'impression qu'en fait, bah, du coup, c'est la tête et là, c'est le corps. Et est-ce qu'on pourrait pas assembler les deux? Attendez, attendez. Si je refais la commande, genre juste devant. Ok, non, attendez. Il me faut un petit peu plus de place pour pouvoir faire ça. Ok, donc voilà. Juste ici, j'ai mis tous les fossiles les uns à côté des autres. Donc, tous les crânes ici et toutes les colonnes vertébrales ici. En tout cas, c'est comme ça que ça s'appelle. Et juste ici, du coup, je les ai toutes assemblées. Du coup, on voit 4 types de fossiles de plus en plus gros, de plus en plus longs. Donc là, on a le tout premier, ensuite le second ici, le troisième ici, et là, le quatrième. Mais je sais pas, c'est un petit peu bizarre. Genre, vous voyez, c'est pas symétrique, c'est pas au milieu. Genre là, par exemple, il n'y a pas 5 blocs, ce qui ferait un milieu. En gros, j'ai un doute sur le fait que les fossiles soient faits pour être assemblés. Je pense que ça va être fait pour autre chose, par exemple, pour montrer le squelette d'un monstre bien plus gros. Ok, je vous montre ma théorie. Comme je vous l'ai dit, selon moi, il faut plutôt assembler tous les fossiles ensemble. Donc là, par exemple, on aurait le bébé monstre au stade numéro 2 avec deux bouts de fossiles, le jeune monstre. Ensuite, en troisième, le jeune adulte avec 1, 2, 3 fossiles. Et pour finir, la plus grande version du monstre. Regardez-moi ça, c'est gigantesque. Mais je sais pas, ça doit être immense. Mais le truc, c'est que ça correspond pas du tout à un sniffer. Un sniffer, c'est genre un rectangle, 4 pattes et un gros museau. Bon, à la limite, le gros museau, on pourrait le retrouver là. Mais là, c'est clairement un truc long, comme une queue de silverfish, une queue de poisson et encore, enfin bref, je sais pas, mais clairement c'est un truc trop bizarre. Et à vrai dire, je sais même pas si vraiment c'est un poisson ou quoi, parce que comme vous pouvez le voir avec les fossiles qui se trouvent dans le Nether, on peut comprendre que ce monstre il a fui le Nether. Peut-être dû au fait que le Nether produisait une chaleur trop forte pour qu'il y survive, mais ça je vous en reparlerai dans une prochaine vidéo des mythes, parce que déjà j'aimerais conclure celle-ci. Et si donc avant notre arrivée dans le monde, des milliers d'années avant nous, se trouvait un serpent ou un ver géant? Mais le truc c'est que, comme avec les dinosaures, comment aurait-il disparu? Qu'est-ce qui aurait pu mener à l'extinction d'un monstre si gros? Qu'est-ce que cache Mojang derrière ses fossiles?
C'était le dernier des mythes 1.20, à vrai dire, que je vais faire sur la chaîne parce que Minecraft 1.21 sort bientôt. Donc on aura de nouvelles choses sur lesquelles enquêter. En tout cas, si la vidéo vous a plu, abonnez-vous. Ça me ferait extrêmement plaisir.